Après ses études d'ingénieur à Toulouse, Gilles a mis le cap sur l'Afrique du Sud. J'ai grandi dans un petit village dans la vallée de Naï à Boué-Bezin, donc à quelques kilomètres de Pau. Les images qui me viennent quand je parle de 64, c'est les Pyrénées, les montagnes. Donc en hiver, le ski, en été, les randonnées. Et puis aussi à Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, toutes les sessions surf ou les sessions à la plage qu'on a fait avec les amis. Ouais. Gilles et Morgane élèvent leurs deux enfants en leur ouvrant les yeux sur le pays où ils vivent et en leur parlant, bien évidemment, des Pyrénées. Qu'est-ce qui fait de toi dans ce que tu es devenu un Sud-Africain aujourd'hui, même si tu n'as pas la nationalité, parce que c'est plus trop simple de l'avoir? Je pense plus être ouvert vers les gens, communiquer assez facilement avec les gens. Les gens t'approchent et te parlent assez facilement. Les gens vont te faire un sourire,